The problem, of course, is that our subsystem, the economy, is geared for growth. It's all set up to grow, to expand, whereas the parent system doesn't grow. It remains the same size. So as we grow into, as the economy grows, it displaces, it encroaches upon the biosphere. And this is a fundamental cost. This is the fundamental opportunity cost of economic growth. That's what you give up when you expand. You give up what used to be there. And so we lose ecosystem services as we expand the size of the economy. And if we do that too much, growth ends up costing us more than it's worth. That is, the lost ecosystem services are more valuable than the extra production that caused them to be lost. And we haven't yet built that in to our economic thinking. We've assumed that we were just so small relative to the total system that it didn't matter. But now it does matter. Pour la première fois de notre histoire, nous sommes confrontés à un dilemme que nos ancêtres n'auraient pu imaginer. Nous avons modifié l'ensemble de notre planète, à un tel point que le résultat pourrait être irréversible et causer l'extinction d'une grande partie de la vie sur Terre, et peut-être même la nôtre. Ce dilemme nous pousse à repenser nos anciennes croyances, à comprendre ce qui ne marche pas, et surtout à trouver des solutions viables. Nous n'avons plus vraiment le choix. Ce ne sont plus les idéologies, les contraintes techniques ou l'économie qui nous limitent. Pour la première fois, nous serons contraints par quelque chose d'extérieur à nous, par un phénomène dont nous sommes à la fois acteurs et spectateurs, la nature. Nous avons cru pouvoir la transcender, nous avons cru en être son architecte, mais la réalité qui se présente à nous nous poussera peut-être à prendre la mesure de notre réelle place, celle d'un animal parmi les animaux, celle d'une espèce un peu spéciale qui est consciente de son état et de ses dégâts, mais qui pêche à prendre la mesure de ses actes. Une espèce qui a besoin de se limiter, mais qui reste ancrée dans son idéal de toute puissance. Nous n'allons pas faire une énième fois la liste des désastres en cours et à venir. Vous les connaissez sans doute très bien, et c'est bien ça le problème. Nous en sommes tous conscients, et pourtant nous baignons dans une impuissance paralysante. Nous voyons la marche du monde suivre son cours avec ses injonctions à la consommation et de l'autre côté, les désastres environnementaux qui s'accroissent d'année en année. Pour beaucoup d'entre nous, cette situation est intenable et l'issue semble irréversible. Mais un constat émerge. Nos systèmes économiques semblent en grande partie responsables. Et si c'est le cas, alors il serait possible de nous sortir de cette situation périlleuse. Peut-être même que l'économie qui semble être si problématique aujourd'hui pourrait être demain la solution inespérée, mais à une seule condition, de repenser dans ses fondements les bases sur lesquelles repose notre économie. L'organisation des sociétés humaines est basée sur deux grandes activités complémentaires. La politique, qui consiste à prendre des décisions pour organiser la vie en société, et l'économie, qui consiste à organiser la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et des services. Nous allons ici expliquer en quoi cette seconde activité, l'économie, est entrée dans un dilemme qui nécessite de repenser les fondements de l'économie moderne. Mais pour cela, il nous faut revenir au milieu du siècle dernier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Conférence internationale de Bretton Woods institua une des pierres angulaires de l'économie moderne, le produit intérieur brut. Cet indicateur, conçu en 1934 par l'économiste Simon Kuznets, permet de mesurer la production de richesses à l'intérieur d'un pays. Il s'agissait d'un indicateur de mesure, nous en avons fait une finalité. Dorénavant, tous les pays qui utiliseront cet indicateur en feront la boussole qui donne le nord. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le PIB permet d'évaluer le niveau de production d'un pays
et donc son degré d'activité. Un PIB élevé signifie que le pays est dynamique. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, suivre cet indicateur était une assurance d'une reconstruction rapide des pays détruits par la guerre. Enfin, la théorie économique dominante considère la concurrence comme l'une des valeurs phares et non négociables. En effet, plus un pays est puissant économiquement, plus il peut s'imposer sur les autres et garder son avantage. Un indicateur qui permet de mesurer la puissance économique d'un pays est donc indispensable pour assurer une gouvernance qui ne visera plus qu'un seul objectif, croître coûte que coûte. Les années qui suivirent furent concluantes. Les niveaux de richesse des pays l'ayant adopté ont explosé. Le pouvoir d'achat des citoyens suit la même tendance. La production bondit à des niveaux jamais vus auparavant, mais cela a un coût invisible. Un coût qui sera mis en lumière pour la première fois en 1972. Des scientifiques du MIT publient un rapport intitulé The Limits to Growth, ou rapport Meadows, dans lequel ils mettent en alerte sur le sujet de cette fameuse croissance du PIB. Ils soulignent le fait qu'une croissance économique exponentielle engendre des conséquences désastreuses à long terme sur les ressources, mais aussi sur l'environnement, et qu'une poursuite de cet objectif nous amènera, tôt ou tard, à un effondrement systémique inévitable. À sa sortie, ce rapport fut moqué par les économistes de l'époque, mais depuis 50 ans, de multiples études ont abondé dans le même sens. Nous savons donc aujourd'hui que l'équipe du rapport Meadows avait vu juste. La limite à la croissance n'est donc plus fixée par notre seule force de travail, mais par les phénomènes naturels qui organisent la vie sur Terre. La taille de l'économie a donc un lien direct avec les dommages que nous exerçons sur l'environnement, et le caractère exponentiel de la croissance est doublement problématique. Une exponentielle est une courbe qui augmente de plus en plus vite. Si nous prenons la moyenne de la croissance mondiale, qui est de 2% par an à l'échelle mondiale, l'économie double de taille tous les 35 ans. Mais il y a un second problème, qui est que la croissance du PIB mondial augmente au même rythme que celle de la consommation énergétique et de matières premières. Ce qui signifie que tous les 35 ans, nous doublons notre consommation énergétique et notre consommation de matières premières, ce qui est intenable sur le long terme. D'après l'astrophysicien Aurélien Crida, si l'économie continue de croître à ce rythme, il nous faudra dans 2000 ans l'équivalent énergétique de toutes les étoiles de notre galaxie. Ça peut paraître complètement fou. Pourtant, une majorité d'économistes considère la nécessité de croissance économique comme le scénario le plus raisonnable. En fait, cette question soulève l'une des plus grandes controverses modernes de l'économie, celle du découplage. Certains économistes prétendent qu'il serait possible de continuer à faire croître le PIB en utilisant moins de ressources et moins d'énergie. À l'heure où je vous parle, il n'y a aucune preuve historique ni aucun moyen sérieux pour parvenir à ce fameux découplage. Les données du JR, qui est l'équivalent du GIEC mais concernant les ressources, démontrent même l'inverse. Il y a un surcouplage à l'œuvre, c'est-à-dire que nous consommons de plus en plus de ressources et d'énergie pour faire croître le PIB. Ces postulats économiques reposent donc sur des croyances en contradiction avec l'observation du monde physique et biologique. Un regard sur le fonctionnement du vivant pourrait peut-être nous apporter quelques pistes de réflexion pour nous inspirer de ce qui a fonctionné durant des milliards d'années au lieu de nous accrocher à nos rêves et nos fantasmes. La taille de l'économie augmente de manière exponentielle. En science, on parle de boucle de rétroaction positive. Cela signifie que le phénomène de croissance s'amplifie dans le temps et devient de plus en plus rapide. Dans le vivant, on retrouve peu de rétroaction positive. On peut parler par exemple de la coagulation sanguine ou de la division infinie des cellules cancéreuses. Si elles ne sont pas régulées, les rétroactions positives ont des conséquences désastreuses pour les êtres biologiques.
Le vivant utilise donc majoritairement des rétroactions négatives pour réguler les fonctions vitales. Par exemple, la température de votre corps est régulée par l'hypothalamus. Il reçoit toutes les informations de vos thermorécepteurs, analyse la température de votre corps pour la maintenir autour de 37 degrés. De la régulation du taux de sucre dans le sang, en passant par la pression sanguine, un ensemble de mécanismes opère dans l'ombre en régulant nos fonctions vitales. On appelle ça l'homéostasie. Le but de l'homéostasie est de maintenir un ensemble de paramètres autour de valeurs optimales. Et si l'un de ces paramètres dérive trop, il se peut que vous n'y surviviez pas. Il s'agit donc d'un mécanisme vital pour toutes les espèces vivantes. Alors quel est le rapport avec l'économie ? Eh bien, nous avons vu que l'économie fonctionne sur la base d'une rétroaction positive. L'économie doit croître de manière exponentielle, et il n'existe pas de mécanisme de régulation de la taille de l'économie. Or, toutes les rétroactions positives qui ne sont pas régulées tendent vers une explosion ou une implosion. Cela n'est pas une opinion, ce sont les lois de la physique qui nous le démontrent, et l'économie mondiale tend vers cela. Dans le monde vivant, aucun phénomène exponentiel n'est durable. Les arbres ne poussent pas jusque dans l'espace, la croissance de toutes les espèces s'arrête à un moment donné, même les espèces invasives finissent par subir l'autorégulation des écosystèmes et stabilisent leur population. Il y a même un mécanisme assez similaire à l'homéostasie qui peut être observable dans les écosystèmes. Les écologues appellent ça le climax. C'est lorsqu'un écosystème a atteint un stade maximal de développement. C'est-à-dire que toute l'énergie et la matière qui sera consommée par l'écosystème servira à le maintenir à ce stade. Et c'est cet équilibre, en constant changement, que nous pouvons observer dans les forêts primaires. On parle de sylvigénèse. Lorsqu'une partie de la forêt est détruite, il se met en place une succession écologique. Différentes plantes et animaux viennent coloniser le milieu détruit pour l'amener progressivement au climax. C'est un éternel recommencement qui a fait ses preuves. Avec ses 3,5 milliards d'années d'évolution, nous n'avons pas de meilleur exemple de durabilité et de résilience que le fonctionnement de la vie sur Terre. Mais Homo sapiens est aussi une espèce vivante parmi tant d'autres. Alors qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Y a-t-il d'autres causes à notre extractivisme effréné, ou sommes-nous un bug du vivant ? Il existe une multitude de causes pour expliquer pourquoi nous en sommes là. Mais attardons-nous sur un phénomène émergent du vivant, qui nous fascine autant qu'il nous inquiète. La technologie. Nous pensons tous savoir ce qu'est la technologie. Nous sommes quotidiennement entourés d'objets fabriqués par la main d'Homo sapiens, ou plus précisément par ses machines. Mais une question subsiste. Pourquoi le vivant a-t-il fait émerger ce phénomène ? À quoi sert la technologie ? Dans le monde animal, certaines espèces utilisent des objets de leur environnement pour effectuer des tâches que leur corps ne leur permettent pas de faire aussi efficacement. Ces objets sont en quelque sorte utilisés comme un prolongement de leur propre corps. Il se trouve que notre espèce est la championne dans ce domaine. En 1945, le mathématicien Alfred Lotka nomma ce phénomène l'exosomatisation. Il s'agit selon lui d'une capacité de certains organismes vivants à étendre leurs organes à l'extérieur d'eux-mêmes, et par la même occasion à exporter leurs propres dépenses énergétiques. Les êtres humains du Paléolithique utilisaient des pierres taillées, des sagaies, des propulseurs, des harpons, autant d'outils qui étendent les capacités de nos mains. Les peaux de bêtes que nous portions comme vêtements sont une extension de nos systèmes homéothermes qui régulent notre température, voire une extension de notre propre peau. L'usage du feu pour cuire des aliments est une extension de notre système de digestion. Le développement de ces outils nous a à la fois permis d'étendre nos capacités au-delà de notre propre corps, mais aussi de considérablement diminuer notre consommation énergétique. Imaginez la perte de temps et d'énergie à la chasse ou à la pêche si nos ancêtres n'avaient pas su développer ces outils. Nos mains ont si peu de force par rapport à certains animaux. Nous n'avons pas de griffes, ni de crocs ou de défense pour chasser ou nous protéger.
Et si nous n'avons pas tous ces attributs si communs dans le monde animal, c'est peut-être parce que notre attribut principal réside dans le fait que nous les fabriquons. L'histoire de l'humanité est une course aux outils exosomatiques. Nos calèches, nos trains, nos voitures, nos avions, nos bateaux sont nos jambes déportées. Nos marteaux, nos tronçonneuses, nos tractopelles, nos grues sont nos mains et nos bras déportés. Nos appareils photos, nos caméras sont nos yeux déportés. L'informatique, nos outils de calcul, les intelligences artificielles sont une partie de nos cerveaux déportés. Nos écrits, nos livres, nos bloc-notes sont notre mémoire déportée. Nous avons même déporté nos relations sociales avec les réseaux prétendument sociaux. Nos GPS sont notre sens de l'orientation déporté. Nos casques sont nos oreilles déportées. Nos micros, nos cordes vocales déportées. La liste est longue. Une grande partie de nos objets techniques sont en réalité nos organes artificiels. Et plus le temps passe, plus ces artifices prennent de la place. Le problème réside dans le fait que tous ces organes nécessitent des ressources à leur fabrication. Ce que nous économisons en énergie en tant qu'espèce, nous le dépensons en ressources puisées dans notre environnement. Et cela a un coût. Un coût qui aujourd'hui ne peut plus être invisibilisé. Avant de produire ces organes externes, nous devons extraire les ressources nécessaires. Et cette extraction est en constante augmentation. Dans les 30 prochaines années, nous devrons extraire autant de minerais que tout ce qui a pu être extrait durant l'histoire de l'humanité. Et tout cela pour soutenir notre croissance. L'économie commence donc par l'extraction de matières premières. Et sans cette dernière, aucune économie n'est possible. C'est la raison pour laquelle la dématérialisation de l'économie est une illusion que nous devons dénoncer. Les data centers, les réseaux d'infrastructures qui acheminent nos données, les ordinateurs et autres smartphones, les câbles sous-marins d'Internet sont eux bel et bien matériels et nécessitent une quantité de ressources et d'énergie en constante augmentation. L'économie est donc intimement liée aux ressources et les ressources sont intimement liées à la technologie et à l'énergie. L'économiste Nicolas Georgescu-Rogaine comparer l'activité économique au métabolisme externe de l'humanité. Un métabolisme qui poursuit une ascension exponentielle et qui finira soit par s'autodétruire, soit par disparaître. La question est quand et comment. Comme nous l'avons vu dans les parties précédentes, l'augmentation perpétuelle de la taille de l'économie a un rôle essentiel dans l'accélération de la dégradation du monde. Nous ne détruisons pas notre environnement par plaisir, mais parce que nous avons défini des règles qui poussent tous les acteurs à produire et consommer de plus en plus. La thermodynamique du vivant nous a pourtant montré que les mécanismes de régulation sont vitaux pour la durabilité de la vie sur Terre. Mais comment faire alors pour construire une nouvelle forme d'économie? Peut-être devrions-nous regarder dans un premier temps du côté de la monnaie, et notamment de sa création et destruction. La plupart de la monnaie créée l'est par le biais du crédit bancaire. Lorsque vous avez besoin d'acheter une maison, par exemple, le crédit que la banque vous octroie n'est pas de la monnaie que la banque possède dans ses coffres. Cette monnaie est en réalité créée à partir de rien. On appelle ça la création monétaire ex nihilo, à partir du néant. Et lorsque vous rembourserez votre dette, la banque détruira la monnaie rendue et ne gardera que les intérêts. Ce mécanisme de création et destruction monétaire pose plusieurs problèmes, mais celui sur lequel nous allons nous pencher est en lien direct avec notre extractivisme. Car cette méthode de création monétaire nous pousse à dégrader continuellement notre environnement. En effet, pour rembourser une dette, il faut une activité professionnelle, ou en tout cas une rémunération. Généralement, cette rémunération est liée à notre travail, qui lui-même consiste à produire soit des biens, soit des services. Or, tout travail, quel qu'il soit, nécessite des ressources, même dans une activité de service. Et comme vous le savez, les ressources doivent être extraites. De ce fait, toute dette nécessite d'extraire des ressources pour assurer la production, la distribution et la consommation de biens et de services qui viendront apporter la rémunération nécessaire au remboursement des dettes. Il s'agit donc
d'un système de création monétaire conçu sur la base de l'extractivisme. Et sans modifier ce paramètre, les aménagements microéconomiques n'auront que peu d'impact. Il nous faut donc revoir la manière dont on crée la monnaie. Mais comment faire pour passer d'une monnaie dette basée sur l'extractivisme à une monnaie anti-extractiviste qui préserve les ressources et le vivant? Dans la première partie, au travers des notions de PIB, de croissance exponentielle et de création monétaire, nous avons mis en évidence la course effrénée à l'extractivisme et sa conséquence, l'épuisement des ressources planétaires. Le vivant et les ressources sont considérés comme des choses externes au système, alors qu'ils sont en réalité les organes vitaux de l'économie. Pour concevoir une nouvelle forme d'économie, il nous faut donc les intégrer au sein même du système. Cela signifie qu'il faut concevoir des indicateurs et un système monétaire adapté. Alors comment faire? Dans un premier temps, nous devons quantifier l'étendue de notre impact sur l'environnement. Il nous faut donc des indicateurs pour savoir si notre développement dépasse la soutenabilité écologique ou pas. Pour analyser le métabolisme de notre économie, l'empreinte matérielle permet de mesurer nos extractions de ressources pour nos productions et de les comparer au stock de ressources non renouvelables. Ensuite, un indicateur d'empreinte écologique regarde les pressions humaines sur les ressources renouvelables et l'impact de nos pollutions. Et nous devons nécessairement y ajouter un indicateur du biodiversité, car l'intégrité et la résilience de la biosphère, dont nous faisons partie, est intimement liée à sa biodiversité. Ces trois types d'indicateurs englobent la majorité des ressources que nous utilisons, ainsi que notre impact sur le vivant. Ils mesurent donc la durabilité de nos sociétés, et ce à grande échelle, par exemple sur un pays tout entier. Nous pouvons même assembler ces trois indicateurs en un seul qui est la moyenne des trois autres. Cet indicateur mesure donc l'état de notre environnement. Mais pour qu'il ait un réel impact sur l'économie, il nous faut pouvoir coupler cet indicateur avec quelque chose à l'intérieur de l'économie. Et ce quelque chose est justement la monnaie. L'indicateur va donc nous permettre de créer la monnaie en fonction de l'état de l'environnement. Plus notre environnement se dégrade, plus la quantité de monnaie créée diminue, impactant négativement l'activité humaine. Et à l'inverse, plus l'état de l'environnement s'améliore, plus la quantité de monnaie créée augmente. Cependant, comme ce mécanisme vient remplacer la création monétaire ex nihilo, il faut pouvoir inclure tous les acteurs économiques, c'est-à-dire autant les ménages, les entreprises que les États. En effet, l'ancienne création monétaire se basait sur le concept de monnaie-dette. Or, dans notre cas, la monnaie ne se crée plus sur la base d'une dette, mais sur la base de l'état environnemental. Il faut donc que cette monnaie soit donnée et non plus prêtée en échange d'une dette, et ce, à tous les acteurs. Nous avons là une monnaie don, et non plus une monnaie dette. Seulement un problème persiste. La masse monétaire pourrait tout à fait croître à l'infini, même avec une variation dans la création de la nouvelle monnaie via les indicateurs écologiques. Et nous souhaitons un système qui régule la taille de l'économie et qui empêche une croissance infinie. Il nous faut donc un système régulateur, quelque chose qui limite la masse monétaire. Dans le système de monnaie dette, la dette permettait de détruire la monnaie lors des remboursements des crédits, pour éviter une trop grande croissance de la quantité de monnaie en circulation. Il nous faut donc un mécanisme de destruction monétaire. Et le problème, c'est que nous ne pouvons pas utiliser la dette. Car n'oubliez pas, il s'agit dans notre cas d'une monnaie don. Après avoir longuement étudié les différents mécanismes de destruction monétaire que notre espèce a pu inventer, un seul semble correspondre pour parvenir à stabiliser progressivement la masse monétaire. Et il nous faut remonter en 1916, où le théoricien monétaire Silvio Geisel développe l'idée de la fonte monétaire. Son idée est simple. À intervalles réguliers, la monnaie doit perdre de sa valeur et cela inciterait, d'après lui, les échanges et éviterait que la monnaie soit stockée trop longtemps. Comme toutes les choses du monde naturel, rien n'est éternel. Tout se dégrade dans le temps, et la fonte monétaire de Silvio Geisel
suit cette logique. Il nous faut cependant modifier quelque peu son idée, car nous ne voulons pas seulement une perte de la valeur de la monnaie, mais une destruction de la monnaie. Et nous ne pouvons pas seulement détruire la monnaie sur les comptes en banque, car cela pourrait inciter les différents acteurs à surconsommer pour réduire l'impact de la fonte monétaire sur leur épargne. Il nous faut donc détruire la monnaie à la fois sur l'épargne, mais aussi au moment des transactions. Pour résumer, notre fonte est une destruction monétaire à intervalles réguliers d'un pourcentage de la monnaie sur tous les comptes en banque, et elle s'effectue aussi sur toutes les transactions. Alors maintenant, vérifions tout ça et voyons ce que ça donne. Lorsque nous lançons le simulateur, une stabilisation de la masse monétaire apparaît. Cela signifie que la fonte monétaire est l'instrument de régulation qu'il nous fallait. Elle permet d'empêcher la croissance de la masse monétaire, peu importe la quantité de monnaie injectée dans le système. Et si l'on couple la fonte avec la création monétaire sur les indicateurs écologiques, nous retrouvons la régulation que nous recherchions. Celle que le vivant fait émerger, avec ses fameuses rétroactions négatives. Le système monétaire tend à se stabiliser et évolue en fonction de l'état environnemental. À partir de là, un cercle vertueux s'installe. Plus les acteurs du pays consomment, plus la production augmente, ce qui augmente la consommation de ressources, et donc impacte négativement l'environnement. Les indicateurs écologiques font alors baisser la quantité de monnaie nouvellement créée, ce qui fait baisser le pouvoir d'achat, donc la consommation globale. La production baisse à son tour, et la consommation de ressources baisse aussi. L'impact environnemental est alors diminué, et les indicateurs écologiques augmentent la quantité de monnaie créée. C'est un éternel cycle visant la stabilisation de la taille de l'économie en fonction des limites environnementales. Un cycle qui oscille constamment pour atteindre une stabilisation de la taille de l'économie. De ce fait, l'économie des pays très riches, au-dessus de la zone de soutenabilité écologique, vont décroître jusqu'à une stabilisation. Et à l'inverse, les pays plus pauvres, qui sont dans la zone de soutenabilité, mais dont les besoins humains fondamentaux de la population ne sont pas satisfaits, disposeront d'une croissance suivie d'une stabilisation de la taille de leur économie. Il s'agit donc d'un système dynamique en constante adaptation, tout comme le principe d'homéostasie du vivant. Mais bien que ce système soit intéressant, il nous manque encore quelque chose lié à notre tâche aveugle, ce que nous ne voulons pas voir. Nous pensons couramment que la création de richesses s'effectue par le biais d'une prédation de certains humains sur d'autres humains. On nomme ça l'accumulation du capital, les inégalités, la lutte des classes, et que sais-je encore. Mais nous oublions une chose fondamentale. Toutes les richesses que notre espèce a pu accumuler durant son histoire est le fruit d'une extraction gratuite de ressources. Nous ne payons pas les océans pour pêcher les poissons. Nous ne payons pas le sol pour extraire ses minerais. Nous ne payons pas les forêts pour en couper ses arbres. Nous débarquons avec nos outils exosomatiques et nous nous servons. Et non seulement nous exerçons une forme de prédation extrême sur le reste du vivant, mais en plus de ça, nous ne redistribuons presque aucun fruit de nos productions aux non-humains. Ni nos pollutions, ni nos montagnes de déchets n'ont d'intérêt pour les autres espèces. En fait, la création de richesses des humains s'est faite au détriment des non-humains. Il nous faut donc quelque chose de plus pour redistribuer nos richesses, non pas seulement entre les humains, mais aussi au reste du vivant. L'idée est assez simple. Il s'agit d'un mécanisme d'investissement qui permet aux humains de rentabiliser ce qui aujourd'hui est une perte pure. Par exemple, dépolluer une mer des microplastiques ou un site minier de ses déchets toxiques n'est pas rentable. Cela n'apporte rien économiquement parlant de le faire. Donc nous ne le faisons pas. Éviter l'exploitation d'un gisement de pétrole ou rendre des espaces à la nature sans notre intervention ne l'est pas non plus. C'est la raison pour laquelle nous proposons des projets de réparation, qui visent donc à accroître les indicateurs écologiques. Ainsi, par des activités de dépollution, d'ensauvagement ou encore de diminution de la consommation des ressources, par exemple,
la situation environnementale peut se bonifier. Alors comment ça marche ? N'importe quel acteur peut mettre en place ce type de projet, que cela soit des particuliers, des associations, des entreprises ou encore l'État. Un projet est déposé avec un cahier des charges précis et un coût est estimé pour l'ampleur des tâches à réaliser. Ensuite, le projet est déposé à un organisme indépendant qui juge de la pertinence du projet et donne ou non une certification. Une fois la certification reçue, les acteurs à l'origine du projet le mettent en œuvre, s'ils ont le budget nécessaire. Et s'ils ne l'ont pas, ils font appel à des investisseurs. Et c'est là que le processus est intéressant. N'oubliez pas que l'économie homéostatique fonctionne avec une fonte monétaire qui impacte grandement les plus riches de la société. Autrement dit, tout cet argent qui aujourd'hui ne sert qu'à augmenter la qualité de vie d'une infime minorité de personnes pourrait être directement injecté dans ce type de projet, et ce, pour une bonne raison. Une fois que le projet a été réalisé, et après vérification, les investisseurs ayant financé le projet reçoivent un retour sur investissement équivalent au montant total du projet, plus un bénéfice. Ce bénéfice constitue un second mécanisme de création monétaire, bien plus faible que le premier fondé sur les indicateurs écologiques. Il permet d'inciter les plus riches de la société à investir dans la réparation au lieu de chercher à accroître leur confort et à accumuler des sommes déraisonnables d'argent. Il a aussi une vertu intéressante. Aujourd'hui, la plupart des personnes les plus riches envisagent l'enrichissement monétaire comme une fin en soi et par conséquent mobilisent leurs efforts pour maintenir leur richesse. La recherche d'accumulation de monnaie devient donc le comportement majoritaire, et les inégalités qui s'en suivent ne sont que la suite logique d'un système qui permet la captation et l'accumulation de richesses à l'infini. Dans une économie homéostatique, il n'est plus possible d'accumuler autant de richesses monétaires aussi facilement, notamment à cause de la fonte monétaire. Un des effets de la fonte est de plafonner l'épargne de tous les acteurs économiques, en fonction de leurs revenus et de leurs dépenses, ce qui signifie qu'il devient plus difficile de s'enrichir en gagnant plus que de s'enrichir en consommant moins. La fonte s'appliquant aussi sur les transactions, les individus les plus riches, ayant une plus grande capacité de dépenses, seront nécessairement plus impactés que les autres. Par conséquent, ce mécanisme d'investissement pourrait inciter massivement les personnes les plus riches à investir dans la réparation et donc à mobiliser une quantité très importante de monnaie pour améliorer la situation environnementale. Accessoirement, cela donnerait un autre rôle aux plus riches. Ils ne seront plus seulement dans une logique de captation pure, mais auront un rôle bénéfique dans la société, celui de participer activement à la réparation, car ils auront un intérêt à le faire. L'économie homéostatique permet donc à la fois de faire varier la taille de l'économie en fonction de l'état environnemental, d'augmenter massivement les investissements pour la réparation des dégâts liés à nos activités, de contraindre fortement les phénomènes d'accumulation de richesses, mais il y a bien d'autres avantages non négligeables. Aujourd'hui, il est difficile de connaître véritablement l'état de notre environnement sans être spécialiste sur ces questions ou d'écumer la littérature scientifique dans bon nombre de disciplines. Dans cette économie, cette information est accessible à tous les acteurs et de manière très simple, par la somme d'argent que tout le monde reçoit en fonction des indicateurs environnementaux. Souvenez-vous, les indicateurs écologiques mesurant l'état environnemental permettent la création monétaire. Par exemple, chaque mois, les ménages, les entreprises et l'État reçoivent une somme d'argent en fonction des indicateurs écologiques. Si la situation se dégrade, cette somme d'argent diminue et par conséquent, tous les acteurs savent que la situation se dégrade. Et à l'inverse, si cette somme d'argent augmente, tous les acteurs savent qu'il y a une amélioration de la situation environnementale. Et cela change pas mal de choses, car cela pourrait générer des effets proactifs. Il n'y aurait peut-être plus besoin de sensibiliser tous les acteurs sur ces questions. Tout le monde a l'information et connaît à peu près la situation environnementale globale. De plus, comme cette somme d'argent est donnée à tous les particuliers, cela suggère qu'il n'y aurait plus d'extrême pauvreté. D'ailleurs,
les particuliers n'auraient plus forcément besoin de travailler autant qu'aujourd'hui, et c'est normal. Une économie de ce type s'oppose par essence à un productivisme déraisonné. Il est donc logique que le système pousse au ralentissement de la production. Il faut donc produire moins, tout en respectant les besoins humains fondamentaux, ce qui n'est pas possible dans le paradigme économique actuel. Certaines conséquences de ce système peuvent être étonnantes. Par exemple, les États reçoivent une quantité de monnaie conséquente, qui remplace le processus d'endettement actuel pour constituer les budgets des États. Ils n'ont donc plus besoin d'emprunter sur les marchés financiers, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouvelles dettes contractées. Or, actuellement, les impôts et les taxes servent principalement à rembourser ces emprunts. Dans une économie homéostatique, les taxes et les impôts pourraient très bien disparaître progressivement, ou en tout cas diminuer très fortement. Il s'agit en clair de ce que nous appelons aujourd'hui un paradis fiscal. Enfin, et c'est l'un des nombreux avantages de ce système, il n'est pas punitif, mais incitatif, et donc pourrait générer moins de tensions, qui parfois ralentissent malheureusement les processus de modification de la société. Pour finir, il ne s'agit pas d'un système miracle qui résout tous nos problèmes par magie. Les systèmes parfaits n'existent pas. Les systèmes économiques sont toujours imparfaits. Et c'est pour cette raison que cette proposition a pour vocation d'évoluer. Il ne s'agit pas d'une proposition figée dans le temps. Il va nous falloir travailler, améliorer ce modèle, enlever certaines choses, en ajouter d'autres. C'est un ouvrage collectif et toutes les compétences sont les bienvenues pour que nous puissions mettre en œuvre l'économie de demain. Les petits pas, les micro-solutions, ne seront malheureusement pas suffisants, et nous le savons tous. Les problèmes actuels sont mondialisés, et s'accélèrent de jour en jour, sous la pression de notre folle course économique, qui nous jette à la figure quelques menus aménagements, pour continuer tant bien que mal. Nous avons besoin de savoir comment faire pour changer les choses, quel système marche, et comment il fonctionne. Et cela ne se fera pas par des discours. Nous n'avons plus le choix de changer les fondements de notre économie. Alors allons-y, car le temps nous est compté.